إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on commence le cours 41 dans le livre de Sharh al-Arba'un al-Nawawiyya et on est arrivé au hadith 31 al-Hadi wa al-Thalathoun. Le hadith c'est عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أو وزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. donc ça c'est il dit après حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. donc le hadith il est rapporté selon أبي العباس أبو العباس c'est sa kunya, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, et il dit que un homme est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, indique-moi une action, que si je le fais, Allah va m'aimer, et les gens vont m'aimer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors dans ce cas-là, abandonne la dunya, et Allah va t'aimer, et abandonne ce que les gens ont en leurs mains, et les gens vont t'aimer. Ou laisse tomber ce que les gens ont en leurs mains, et les gens vont t'aimer. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres. Toutefois, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Hein. Il n'est pas authentique ce hadith-là, comme c'est mentionné par Al-Hakim, et Ibn Adi dans Al-Kamil, et Al-Uqayli dans son livre Al-Du'afa. Il l'a mentionné parmi les hadiths qui sont faibles. Hein, toutefois, il y a une certaine signification dans ce hadith-là qui est quand même vraie. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il l'a expliqué. Cheikh également, Abdul Muhsin Al-Abbad, dans son charh des 40 hadiths. Donc, il y a juste un petit point que je vais lire dans les paroles du Cheikh, Abdul Muhsin Al-Abbad. Il dit, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. donc le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad dans son charh il explique ce point là. Je trouvais que c'était un point intéressant et j'ai voulu juste le mentionner comme ça. C'est que les Sahaba sont les gens qui ont le plus grand désir et le plus grand, qui font le plus, disons, d'efforts et qui ont le plus grand désir de connaître qu'est-ce qui est bon. Et c'est eux les premières personnes à se diriger vers qu'est-ce qui est bon. Et ce Sahabi-là, lui, il a voulu connaître ce qui va faire en sorte que les gens vont l'aimer, que Allah va l'aimer et que les gens vont l'aimer. Alors il a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, lui, dans son charh, il dit « هذا حديث عظيم
ذكر العلماء أنه من قواعد الإسلام التي يسير عليها المسلم. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، فهذا عمل جليل، إذا أحبك الله وأحبك الناس هذه سعادة وخير وخير كثير، ألا أن لا يبغضك أحد فيما هو، فما هو العمل الذي تنال به رضا الله ورضا الناس؟ وفي هذا دليل على أن رضا الناس مطلوب، ولم ما لم يكن في ذلك إثم ومعصية. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que ça c'est un grand hadith, et les ulama ont mentionné que c'est parmi les principes de l'islam qu'un musulman doit suivre dans sa vie. Et cet homme-là est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une action ou une chose qu'il peut faire, que Allah aime, hein, et que s'il le fait, Allah va l'aimer, et que les hommes vont l'aimer à cause de cette action-là, ou à cause de ce comportement-là, ou de cette attitude-là qu'il va adopter. Donc il veut acquérir l'amour d'Allah et l'amour des hommes. Donc ça c'est quelque chose qui est très grand, qui est très bon. Et le cheikh il dit, si Allah t'aime, que les gens t'aiment, ça c'est le bonheur, et c'est un grand bien. Il n'y a personne qui veut, en fait, il n'y a personne qui veut se faire détester par les hommes, par Allah en premier, puis par les hommes ensuite. Il n'y a personne qui aime se faire détester, à moins que ce soit de se faire détester dans les choses qui ont rapport avec la religion, dans le fait que les koufars, par exemple, qui te détestent parce que toi tu es sur le tawhid, ou parce que tu es sur la sunna, que les gens te détestent parce que tu es sur la sunna, ou que les gens te détestent parce que tu aimes suivre le haqq, wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça c'est, dans un certain sens, c'est normal qu'ils te détestent pour ces raisons-là. Si tu es un mu'min et eux sont des koufars qui détestent le haqq, et toi tu es sur le haqq. Mais en dehors de ça, parmi les mu'minines, tout le monde aime que les gens, entre les croyants, qu'on nous aime pour nos bonnes qualités ou pour des bonnes choses qu'on peut faire. Et donc c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Et en premier, avoir l'agrément d'Allah et ensuite l'agrément des hommes. Le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire donc? C'est quoi l'action qu'on peut faire pour avoir l'agrément d'Allah et l'agrément des hommes? Le cheikh, il dit, il y a dans ce hadith-là, la preuve que de rechercher l'agrément des hommes, c'est quelque chose de rechercher, c'est quelque chose de voulu, tant que ça ne comprend pas ou ça n'implique pas le fait de faire un péché ou une désobéissance, Donc si c'est de se faire aimer par les gens en désobéissant à Allah et en faisant des choses haram pour qu'ils nous aiment, ça c'est rejeté, ça on n'accepte pas, parce que la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, on n'a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur, d'accord, et on n'a pas à vouloir faire plaisir au Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Les Juifs et les Chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Donc, ils veulent que tu les suives dans leur passion et dans leur désir et dans leur religion, mais bien entendu, l'agrément d'Allah passe au-dessus et passe devant. Le cheikh dit, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, ازهد في الدنيا يحبك الله, وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد هو الترك, يعني اترك الدنيا, وليس المراد ان تترك ما تحتاج اليه وما تستغني به من طلب الرزق والكسب الحلال, هذا منهي عنه, ولكن اترك ما لا حاجة لك به فليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها أنت وأولادك, وإنما الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها من الدنيا, فالمسلم يجمل في طلبه ولا يحرص حرصا شديدا على الدنيا وعنده ما يغنيه, فهذه قاعدة, ازهد في الدنيا يحبك الله, إذا زهدت في الدنيا أحبك الله, فهذا فيه مدح الزهد
فيما لا يحتاج إليه الإنسان. الشيخ explique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la question de cet homme en lui disant, yani, fais le zuhd, hein, et yani, écarte, laisse tomber ou écarte-toi de la dunya et Allah va t'aimer. Et izhad fima fi aydin nas, yani, éloigne-toi ou laisse tomber ce qui est entre les mains des hommes et ils vont t'aimer. Az-zuhd, le cheikh il dit que az-zuhd c'est le fait d'abandonner, hein, de laisser quelque chose, de délaisser ou d'abandonner. Yani, de délaisser ou d'abandonner la dunya. Et ça c'est un terme que souvent les soufis utilisent pour essayer de faire croire aux gens que d'être un soufi c'est d'avoir du zuhd, hein. Et en réalité, yani, c'est que pour eux la définition du zuhd elle dépasse les limites de la charia et du Coran et de la Sunna. Pour eux le zuhd ça va être d'abandonner le mariage, d'abandonner le sommeil, d'abandonner la nourriture, d'abandonner tout ce qui est bon dans la dunya, hein, soi-disant pour vivre une vie, hein, qui, dans laquelle tu te prives de tous les bonnes choses et de tous les plaisirs, hein, comme des moines, hein. Mais ça c'est pas des choses qui font partie des règles de l'islam. Donc le cheikh il dit exact. Ah oui, dans les impôts, subhanallah, c'est ça, c'est ils font vœu de pauvreté. Ouais, c'est-à-dire, comme les soufis, c'est comme ça, ils disent il faut être pauvre. Donc tu fais vœu de rester pauvre, même si tu as les moyens d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, mais tu préfères abandonner l'argent juste pour, soi-disant, pour plaire à Dieu ou te rapprocher de Dieu. Ça, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam, hein. Et le cheikh il dit, ليس المراد أن تترك ما تحتاج إليه. Qu'est-ce qu'on veut dire par le zuhd quand on dit de délaisser la dunya, d'abandonner la dunya? Ça ne veut pas dire d'abandonner ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire pour toi, ou ce que tu peux pas t'en passer. Hein, tu recherches la subsistance et les biens halal et l'argent halal. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est permis. Qu'est-ce qui est interdit? Hein, c'est au contraire même, qu'est-ce qui est interdit, c'est d'abandonner le risque dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours pour toi-même et pour ta famille. Donc d'abandonner le risque, d'abandonner le halal, ça c'est quelque chose qui n'est pas permis, hein. Mais tu dois abandonner ce que tu n'as pas besoin, le surplus, hein, de la dunya qui n'est pas nécessaire, hein. Ça c'est quelque chose de bien. Ça c'est quelque chose de bien. فليس الزهد ترك المباحات. Donc le zuhd c'est pas d'abandonner qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est licite, hein, et qu'est-ce que tu as ce dont tu as besoin pour toi-même, pour tes enfants comme on a dit, mais c'est d'abandonner le surplus, hein, de la dunya, des choses que tu n'as pas besoin, ou la luxure, hein, le luxe et des choses de ce genre. Donc ça c'est des choses qui sont bien, hein. Le musulman, il dit le chef, yujmelu fi talabihi. Donc le musulman, quand il recherche des choses dont il a besoin dans sa dunya, il va pas aller d'un amour ou d'un désir extrême et très excessif dans la quête de la dunya, comme des gens qui courent après la dunya comme des gens, comment je pourrais dire, ils ont une course effrénée, comme je pourrais dire, ils courent une course, comme s'ils sont assoiffés, affamés, hein, pour la dunya, et ils sacrifient tout pour l'acquérir, ils vont tout faire pour avoir de l'argent et des choses, des belles choses dans la vie. C'est ça leur, comme s'ils sont, ils sont motivés par ça, mais à l'extrême. Donc ça, c'est une règle dans l'islam. Izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Si tu abandonnes ces choses de la dunya, Allah va t'aimer. Et ça, c'est l'exemple. Ce verset-là, ça parle pas de ça. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
mais ce verset-là, ça n'a pas rapport avec ça, mais plutôt, on pourrait mentionner des versets comme par exemple, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Donc ça c'est un verset qui, dans lequel Allah nous mentionne que par exemple il a embelli pour les hommes la passion pour les femmes, le désir envers des femmes, d'avoir des femmes, des épouses, et d'avoir des enfants, et des demeures, et des montures, pour le canapé, c'est d'avoir de l'or, de l'argent, des richesses, d'avoir des belles montures, des belles choses, en fait, tout ce qui est bon dans la dunya, l'être humain, il aime ça. Et ces choses-là sont pas blâmées par elles-mêmes. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne blâme pas, il ne dit pas que ces choses-là sont haram. Mais il nous explique que dans l'akhirah, il y a quelque chose de mieux. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de savoir que ces choses-là sont permises tant qu'on les acquiert dans le halal, et qu'on fait le halal pour les avoir, mais de pas les prendre comme un but en elles-mêmes, mais de les prendre plutôt comme un moyen que Allah nous donne pour nous aider dans cette dunya, et que de savoir que la vie de l'au-delà, elle est meilleure et plus importante pour nous que la vie d'ici-bas. Donc ça c'est important. Puis il y a l'autre verset aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Tawba, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc c'est ça le verset. C'est dans un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique comme par exemple que ces choses-là, on peut les aimer, hein, nos pères, nos frères, nos tribus, notre famille, l'argent qu'on peut avoir, les commerces qu'on peut posséder, toutes ces belles choses-là qu'on peut aimer, il n'y a pas de problème de les aimer. Mais le problème, c'est quand tu les préfères et que tu les aimes plus que Allah et son messager et le djihad et la lutte dans son chemin. Donc dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est blâmable, qui est mauvais. Donc ça nous fait comprendre que az-zuhd dans la dunya, c'est pas d'abandonner la dunya en entier puis de laisser tout ce qui est bon dedans, au contraire, mais c'est plutôt de d'abandonner le surplus, comme on a dit, et de pas laisser cette dunya entrer dans notre cœur. Il y a des définitions plus approfondies par exemple à propos de az-zuhd, comme l'imam Ibn Rajab dans le Sharh, il explique que le Zuhd, il rapporte une parole de Sulaiman al-Darani. Il dit que c'est tout ce qui te distrait d'Allah. Az-Zuhd, tarku ma yushghiruka 'anillah. D'abandonner tout ce qui te préoccupe, et qui te distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple. Et ben ça, bien entendu, ça demande des efforts, ça demande du travail sur soi-même, sur son cœur et sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais ça, bien entendu, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, puis avec la connaissance, avec la science, avec la foi et toutes ces choses-là. Donc, donc par rapport à ces choses-là aussi, puis il y a le fait de pas laisser la dunya prendre une place dans ton cœur plus importante que la vie de l'au-delà, de savoir comment équilibrer les choses. Mais les exagérations des soufis qui abandonnent les choses halal, ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et l'exemple des salaf al-salih, qui la plupart d'entre eux faisaient du commerce, ils avaient des biens, de l'argent, des épouses, etc. Comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres messagers, ils n'ont pas dit aux gens, allez vivre dans les montagnes, vous écarter de la vie, abandonner tout, pour être
sur l'islam ou la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples. Et puis la plupart de ce qu'ils ont ramené c'est des innovations dans la religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit aux trois hommes, hein, le premier qui disait moi je vais pas me marier, je vais rester célibataire. Le deuxième il a dit moi je vais pas manger de viande, ou bien je vais pas manger tous les jours, je vais jeûner. Et le troisième qui a dit moi je vais pas dormir la nuit, je vais rester toutes les nuits debout, hein, pour prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère quand il a entendu ces gens-là. Il a dit hein, man raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui délaisse ma sunna et qui préfère autre chose, il n'est pas de moi. Hein. Et donc il y a cet exemple-là, puis il y a d'autres exemples aussi de certains sahaba, yani, par exemple, ils préféraient une vie yani, un peu rude et difficile, hein. Et puis il y a des exemples de compagnons comme ça, qui étaient comme ça, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, hein, sache que ton corps il a un droit sur toi, et ta femme elle a un droit sur toi. Hein, etc., etc. Donc, pour leur faire comprendre que même si vous aimez la vie et elle est difficile et que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala et abandonner la dunya, sachez qu'il ne faut pas que ça vous mène à négliger vos droits. Hein. Ton corps, il a un droit sur toi, il faut que tu te reposes, il faut que tu lui donnes du repos à ton corps, il faut que tu lui donnes la nourriture comme il en a besoin. Ton épouse, elle a un droit sur toi si tu jeûnes tout le temps et que tu ne t'occupes pas d'elle aussi. Donc ça c'est pas correct, et aller ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples, et il y a beaucoup d'autres exemples aussi, comme le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ. Donc dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala dit qui a interdit les parures d'Allah, hein, et les bonnes choses parmi les subsistances. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dit, elles sont pour les croyants dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, elles seront uniquement pour eux. Dans cette vie, c'est pour les croyants que Allah les a créées, ces bonnes choses-là. Et dans l'au-delà, ce sera que pour eux. Les koufars, ils n'en auront pas. Tandis que dans cette vie, les koufars, ils en ont du bien aussi. Malgré que ce n'était pas créé pour eux. Hein. Et les ulamas de tafsir, quand ils ont parlé de ce verset-là, ils ont expliqué que ça, c'est la réfutation à ceux qui disaient qu'ils ne voulaient pas manger de viande ou qu'ils ne voulaient pas porter des beaux habits, hein, ou ceux qui voulaient se limiter, par exemple, à porter juste des vêtements de laine. Comme les soufis, par exemple, ça vient de ce mot-là, ça vient de souf. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui portaient de la laine, c'était des gens pauvres. C'était une de leurs caractéristiques. Ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer des vêtements en coton ou en d'autres tissus. Alors, ils portaient de la laine, et il y en a certains parmi les gens par la suite qui ont pris ça comme un signe religieux, hein, de porter de la laine ou de porter des vêtements qui sont déchirés ou bien qui sont usés ou qui sont pas des bons vêtements. Donc, l'idée que de porter des vêtements qui sont pas beaux et que c'est mieux et qu'il faut se négliger soi-même, pas porter des belles choses, pas s'habiller bien, pas porter des beaux vêtements, pas acheter des choses qui coûtent cher et des choses de ce genre, c'est pas nécessairement quelque chose de bien. Hein. On agit selon nos moyens. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Quand il avait, il avait. Quand il avait pas, il avait pas. C'est-à-dire, quand tu en as du risque, tu es content, tu es satisfait, tu en profites. Et quand par exemple Allah te donne une épreuve et que tu as moins de risques, eh ben, tu vis selon tes moyens et puis tu es satisfait. Tu vas pas, te plaindre ou critiquer, hein. Si tu as des difficultés, tu endures. Si tu as de la facilité, tu en profites. Mais c'est pas que tu vas dire, bon, parce que j'ai du risque, je vais le jeter par la fenêtre parce que c'est pas bon. Non. Hein? Donc il faut être dans l'équilibre et le juste milieu à ce sujet-là. Hein? Et ça, c'est une réponse en même temps aux soufis. Hein? C'est pas dans les paroles du chef ici. Le chef, il n'a pas détaillé là-dessus. Mais je pense en même temps que c'est
un point important et intéressant à mentionner pour justement clarifier ce point-là pour qui pourrait parfois être difficile à comprendre ou compliqué parfois ou confondant pour certaines personnes. Le cheikh dit « وفيه دليل على أن الله يحب عباده المؤمنين ففيه وصف الله بالمحبة كما أنه يبغض ويكره ومحبة الله تعالى ليست مثل محبة المخلوق وبغضه وكراهيته ليست كبغض وكراهية المخلوق بل هذا خاص به سبحانه وتعالى كسائر صفاته. Le Cheikh il dit, il y a également la preuve dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala il aime les mu'minin. Et il y a dedans la description, ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même l'attribut de l'amour qu'il aime. Donc ça c'est la preuve qu'on peut dire d'Allah qu'il aime. De même qu'il déteste, de même qu'il déteste et qu'il se met en colère aussi. Donc, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là. Toutefois, il faut comprendre en même temps que la colère d'Allah et la haine d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comparable à celle des créatures. D'accord? Ça, c'est une haine et c'est un amour et c'est une colère qui est particulière à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui convient, comme toutes ses attributs en général. Elles ne sont pas comparables à celles des créatures. وفيه أن أمور الدين يسأل عنها أهل العلم فهذا الرجل سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتكر شيئا من عنده لأن من أحدث شيئا في الدين من عنده صار مبتدعا وكونك تتقرب إلى الله بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم تظن أنه حسن فهذا بدعة وقبيح ومردود فأمور الدين إنما يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لا تقدم على شيء تتقرب به إلى الله وأنت لا تدري هل هو من الدين أو لا. Donc, juste avant de mentionner ce point-là, il y a juste une chose qui vient de me revenir à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la définition ou disons la traduction du terme ou du mot zuhud en français. C'est que les gens ils utilisent souvent le terme ascète ou ascétisme pour le traduire. Et le terme, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et l'ascétisme en français, c'est pas du tout la même chose que az-zuhd en arabe. D'accord? Et également, l'ascétisme, dans la définition qu'on retrouve dans les dictionnaires, dans les livres d'encyclopédie, on remarque que ça a justement le même sens que le sens que les soufis essaient de donner aux zuhd. C'est-à-dire l'ascétisme, c'est d'abandonner tous les plaisirs de la vie et de soumettre le corps de l'être humain à des exercices difficiles et de se priver de toutes les bonnes choses de la vie parce que chez les Grecs de l'Antiquité et dans certaines autres religions, ils croient que l'âme est emprisonnée dans le corps et que l'âme est divine et qu'elle doit sortir du corps et retourner à Dieu. Pour se purifier de, donc atteindre le nirvana ou des choses de ce genre, ou bien devenir un avec Dieu, comme chez les soufis, qui ont ces notions-là, avec al-fana, ou bien al-hulul, ou bien wahdatul wujud, ou des trucs de ce genre. Donc, ces notions-là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est des choses que les égarés parmi les hérétiques qui se prétendent musulmans à travers l'histoire, comme al-Hallaj, Ibn Arabi et d'autres, ont prétendu, et c'est des idées qu'ils ont empruntées des chrétiens, des juifs, des hindous, des bouddhistes, et ils ont mélangé ça avec l'islam pour essayer de faire un mélange, et bien entendu ils sont sortis de l'islam à cause de ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire comprendre que le terme ascétisme, ça n'a rien à voir avec l'islam, et que quand on traduit le terme zuhud, il faut faire attention justement de clarifier ces choses-là, que ça n'a pas rapport avec
que le zuhd dans l'islam, ça n'a rien à voir avec l'ascétisme. Hein? Ensuite, le cheikh il dit donc qu'il y a dans ce hadith-là également le point, le fait que les questions de la religion, qui sont reliées à la religion, il faut demander aux hommes de science à leur sujet. Et cet homme-là, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner au sujet de qu'est-ce qui va faire en sorte que Allah va l'aimer et que les gens vont l'aimer. Et il n'a pas inventé quelque chose à partir de lui-même. Hein, il n'a pas essayé d'inventer quelque chose dans la religion ou d'innover quelque chose. Le cheikh il dit, celui qui invente quoi que ce soit dans la religion à partir de lui-même, il devient un innovateur, il devient un mubtada. Et le fait que quelqu'un essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné, et il prétend ou il pense ou il s'imagine que c'est quelque chose de bien, alors ça c'est une innovation, et c'est quelque chose de laid, et c'est quelque chose qui est rejeté également. On en a parlé plusieurs fois par rapport au hadith qu'on a lu déjà, même dans les cours passés. Donc les choses qui sont reliées à la religion, on doit uniquement se baser sur les textes du Coran et de la Sunna. Et à l'époque, les sahaba ils demandaient aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on demande aux ulama, aux savants de l'islam, ceux qui sont les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne vas pas dépasser la, disons, ramener quelque chose de toi-même ou prendre l'initiative de faire un acte ou de faire un geste ou de faire une adoration ou quelque chose que tu t'imagines être une adoration en pensant que cette chose-là va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ne sais même pas si cette chose-là fait partie de la religion ou non. D'accord? Donc le point c'est de s'arrêter à la limite, hein, de ne pas dépasser la limite de l'islam. Et ça rentre exactement dans la signification de ce qu'on a dit par rapport à l'ascétisme et au soufisme, hein, dans ces choses-là, de ne pas rentrer dans des innovations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَوْلُهُ وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدْ وَزْهَدْ فِي مَا عَلَيْكُمْ صَلَى اللَّهِ وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ لَا تَتَطَلَّعْ إِلَى مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ لِأَنَّكَ إِذَا تَطَلَّعْتَ إِلَى مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ وسألتهم أبغضوك لأنهم لا يحبون ولا يريدون بذل ما بأيديهم فلا تحرجهم فإذا كنت تريد محبتهم فلا تسألهم استعن بالله عز وجل مهما أمكنك ذلك أما إذا احتجت إلى السؤال فإنه يباح عند الحاجة أو عند الضرورة ولكن مهما أمكن أن تستغني عن الناس فإنك عندما تثقل عليهم سيبغضونك كقول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit, laisse ce qui est dans les mains des hommes et les hommes vont t'aimer. C'est-à-dire, essaie pas de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont en leur possession. Essaie de leur demander de te donner quelque chose. Parce que si tu leur demandes, ils vont te détester, ils vont se mettre en colère contre toi. Hein? Parce qu'ils n'aiment pas et ils ne veulent pas dépenser ou donner de ce qu'ils ont en leurs mains, ce qu'ils possèdent. Alors ne les mets pas dans l'embarras. Hein? Il dit, si tu veux qu'ils t'aiment, ne leur demande rien. Ils demandent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que cela est possible pour toi. Mais si tu es vraiment dans le besoin, ou bien dans la nécessité, tu n'as pas le choix, alors dans ce cas, tu as le droit de demander selon la nécessité, selon le besoin. Mais le temps que c'est possible, le plus possible, essaie de pas demander rien à personne, hein, pour pas que tu deviennes trop lourd pour les gens et que les gens commencent à te détester à cause de ça, comme on dit dans un poème, demande rien au fils d'Adam de ce que tu as besoin et demande à celui dont les portes ne sont jamais fermées, parce que Allah il se fâche contre toi
si tu ne lui demandes pas. Tandis que les êtres humains, si tu leur demandes, ils se fâchent. وعندما تسأل الناس يبغضونك أما إذا سألت الله فإنه يحبك لأنه غني كريم. Donc si tu demandes aux hommes, ils se fâchent contre toi. Mais si tu demandes à Allah, lui il va t'aimer. Et lui il est riche et il est généreux. فهذه قاعدة هذه قاعدة إذا كنت تريد العمل الذي يحبك الله فيه ويحبك الناس فازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. C'est-à-dire, ça c'est une règle. Si tu veux que tu veux faire quelque chose qui va faire en sorte que Allah va t'aimer et que les gens vont t'aimer, alors délaisse la dunya, Allah va t'aimer, et délaisse ce que les gens ont en leur possession, ne leur demande rien et les gens vont t'aimer. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, on a complété le cours d'aujourd'hui, puis on continue donc, Inch'Allah, le cours demain, la suite, le prochain hadith, Inch'Allah, hadith 32. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك